avant d'en soulever leur, le first love, des gens sont délivrés. Amen. Des gens sont délivrés de la timidité. Des gens sont délivrés parce qu'il est écrit, nous n'avons pas reçu l'esprit qui est venu vers nous, qui est rentré dans nos corps, et tout sauf de la timidité. Oh. Oui. Tu dois comprendre cela. Mais Amen. Tous ceux qui sont encore timides, oui. Tous ceux qui ont encore peur, tous ceux qui hésitent encore, tous ceux qui peuvent encore être intimidés. Parce que quand vous êtes timide, cela signifie simplement que votre âme est intimidable. Wow. Des choses peuvent faire trembler votre âme, wow. Vos émotions. Wow. Il y a des gens qui peuvent encore avoir peur de beaucoup de choses. Peur de se mettre debout, peur de parler devant les gens, peur d'évangéliser, peur. Donc, ils sont encore embrigadés, attachés par des forces de l'air, des démons méchants. Oui, vous savez, oui, lorsqu'on vous intimide, hein, au fond, on cherche la fragilité de vos émotions. On essaie de voir si vous êtes ma boule. Aïe, aïe. Vous comprenez ça? On essaie de voir si vous êtes ma boule. On essaie de voir si vous ne comprenez rien. Et on vous donne des menaces. On vous dit des choses pour voir si vous allez baisser les bras. Non. Oui. 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 Un jour, à une réunion, ça fait très longtemps, mon père a dit à une de nos réunions, vous savez, il a dit à mes frères, vous savez que j'avais interdit à Olivier quand il était petit d'aller à l'église. Chance qu'il ne m'a pas écouté. Chance! Oh, oh, chance! Vous comprenez ça? Ouais, les gens essayent! C'est à vous de démontrer que vous comprenez de quoi il s'agit. Oui. Parce que même ceux qui essayent de vous empêcher ne sont pas coupables. Parce qu'ils sont utilisés comme des épreuves afin de voir qui vous êtes. Vous allez voir qui vous êtes. Oui. C'est pourquoi vous allez voir que les mêmes personnes qui ont voulu arrêter Bartimée, quand Jésus passait par là, l'aveugle vagabond, il n'avait jamais vu. Sa vie était ratée. Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas de femme. Il n'avait pas de maison. Il n'avait pas étudié. Bartimée était à terre. Tout le monde mangeait à sa faim. Les autres voyaient. Les autres allaient à l'école, travaillaient, avaient des commerces. Bartimée n'avait rien. Il a entendu parler de Jésus. Voyant, sachant que Jésus passait par là, il a crié, fils de David, aie pitié de moi, je t'en supplie. Oh. Ceux qui étaient là ont voulu fermer sa bouche. Ils ont dit, oh Bartimée, tais-toi. Nous, on a des vrais problèmes, toi, tu n'as pas les vrais problèmes. Pardon, Bartimée, laisse tomber. Ils ont commencé à pousser Bartimée avec les pieds. La Bible dit qu'ils ont empêché. À oui. Bartimée. Oui, oui, oui. Mais Bartimée oui. s'est rendu compte que vous avez des enfants, vous. Oui, oui. Vous avez des maisons, vous. Oui. Vous avez votre vie. Mais pourquoi vous voulez m'empêcher à moi aussi? Et Bartimée oui. s'est rendu compte que personne n'aura le souci de ta vie. Oui. Personne ne se mettra à ta place. Personne. Oui. Si tu ne fais rien pour ta vie, personne ne fera une chose pour ta vie. Oui. Et la Bible dit, de toutes ses forces, Bartimée cria plus fort. Plus fort. Fils de David. Il s'est dit dans sa tête que vous me prenez pour qui? Parce que je suis aveugle, vous pensez que je suis stupide? Parce que je suis un clochard, vous pensez que je suis stupide? C'est le sort qui m'a fermé les yeux. Je n'ai pas voulu être aveugle, je suis né aveugle. Mais au fond de moi, il y a du caractère. Je n'ai pas fait les longues études comme vous, mais au fond de moi, il y a du caractère. Je n'ai pas les mêmes maisons que vous, mais au fond de moi, il y a du caractère. Oui. Et Bartimée a crié plus fort. Oui. Jésus a entendu la voix de Bartimée. Oui. Et il a dit, où est-il? Où est-il? Oui. Faites-le venir. Oui. La Bible dit que les mêmes personnes qui avaient empêché à Bartimée de crier l'ont encouragé et lui ont dit, lève-toi, vas-y, il t'appelle. Alors personne n'est coupable de votre timidité. Personne, même pas vos parents. Personne n'est coupable de votre échec. Personne n'est coupable de ce que vous ne voulez pas faire aujourd'hui. Personne. Il n'y a que vous. Vous êtes le seul responsable. Parce que même si les parents ont échoué, vos études, etc., vous pouvez encore tout recommencer. Vous pouvez vous lever, prendre votre vie en main et faire la différence. Wow. Personne. Vous pouvez faire ce que vos parents n'ont pas fait. Oui. Vous pouvez faire ce que le salaire de votre mère n'a pas pu faire. Oui. Vous pouvez avoir la maison que vos parents n'ont pas eue. Oui.
Vous pouvez l'avoir. Personne n'est coupable. Vous êtes le seul responsable. C'est pourquoi Dieu, dans sa fidélité et dans l'amour qu'il a pour vous, vous amène à des endroits où vous devez entendre une parole qui vient comme du feu. Du feu dans votre esprit. Vous sort de l'enfer. Vous sort du noir. Et vous dit, tu es capable. Lève-toi et fais-le. Oui, oui. Amen. Lève-toi et fais-le. Les autres ne sont pas coupables. Ils sont là comme des épines. Ils sont là comme des ponts. Ils sont là comme des entraves. Ils sont là comme des obstacles. Ils sont là comme tout ce qu'on peut imaginer. Ils jouent leur rôle. Amen. Ils jouent leur rôle. Alors si tu es timide, tu es timide parce que tu le veux. Si tu es peureux, tu es peureux parce que tu le veux. Et si tes bras sont baissés, tu n'arrives plus à faire quelque chose, c'est parce que tu le veux. Qui comprend de quoi il s'agit ce soir? Amen. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout. C'est pourquoi j'aime le décor biblique. J'aime la manière dont les hommes bibliques ont été inspirés. Ils nous ont montré des personnes à terre, désavouées, abandonnées, jetées dans de l'eau comme un enfant. Moïse, abandonné à son sort, à un jeune âge. Mais il a réussi. Jephté était abandonné de tous ses frères. Sa maman était prostituée. Il a été déshérité parce que sa mère n'était pas légitime. Mais cet homme, Jephté, ce jeune homme, a fait la différence. Alors qu'ils l'ont repoussé, ils l'ont banni. La Bible déclare que quand ils ont eu un problème, ils sont allés chercher Jephté qu'ils avaient insulté. Qui vous ne connaissez pas, venant du noir, venant des problèmes? Tous les hommes de la Bible étaient à terre. Tous les hommes de la Bible n'avaient pas d'espérance. Mais dès qu'ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont rencontré le message de Jésus.